Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super bien. Je sais que généralement la plupart de mes streams vont sur YouTube, donc c'est pour ça que je demande à ma communauté YouTube comment va ma communauté YouTube, comment ceux qui regardent ce petit extrait, en fait, ce live Twitch sur YouTube, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? En tout cas, sur Twitch, on va continuer un petit peu l'aventure. Je vais attendre un petit peu avant de pouvoir bien commencer. Comme dans mon habitude, je vais aller partager mon Twitch. Tout cas, une journée. Aujourd'hui, moi, j'ai une journée quand même assez grosse. Honnêtement, j'avais hâte d'être à ce soir, pour rien vous cacher. Honnêtement, j'avais hâte d'être à ce soir justement pour que je puisse justement faire mon petit live en essayant que justement aujourd'hui je ne puisse pas rager. Sans pas dire ça comme ça, parce que c'est vrai que hier j'ai un petit peu. Ah là là! C'est-à-dire que ça ne parlait pas beaucoup dans le chat, donc du coup voilà. Je pense juste à baisser mon son. Comme ça, il n'y aura pas trop d'écho, j'espère, de votre côté. Et on va attendre que les viewers sur Twitch arrive, c'est quand ils veulent. Honnêtement, voilà. Je ne suis pas pressée. Et là, justement, je commence assez tôt. Coucou Ludo, comment tu vas? Bah, écoute, pour ma part, ça va super. Comme je suis au début, généralement, c'est vrai que. Coucou Jason. Punaise, vous êtes à l'heure? Enfin, ou c'est moi qui suis à l'heure, je sais pas. C'est plus de moi, en fait. C'est plus moi qui sans doute est à l'heure. Voilà, j'en profite un petit peu pour partager un petit peu mon live. Pour que justement. J'espère qu'il y aura plus de monde que hier. Plus de monde qui chappe. Parce que du coup, hier, en fait, hier, tout le monde est parti. Et je me suis retrouvée toute seule sur le stream en fait, en gros, en espérant que quelqu'un parle, mais personne, enfin plus personne n'a parlé. Hola Clem! Comment est-ce? Comment tu vas? Ouais, du coup, je disais hier, en fait, tout le monde est parti en fait. Tout le monde est parti. Mais écoute Clem, pour moi ça va super. Clem, alors pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui avaient loupé la partie hier, Clem c'est un petit peu le nouveau chef. Si je peux me permettre de t'appeler comme ça. Hey Clem. C'est un petit peu le chef quoi. Ça va être tous les raids que tu fais. Bon, mais c'est pour ça, si je me dis, bon voilà, à l'heure actuelle. C'est pour ça que je te pose la question si ça te dérange ou si ça te dérange pas que je t'appelle chef, parce que avec tous les raids que tu fais à un moment donné, bon, je pense que bon, t'es un petit peu le meilleur quoi. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont quoi. Et voilà. Je viens de me commencer une nouvelle série sur Netflix, mais quand j'ai vu que tu étais en live, je suis venue. Oh, mais ça c'est super. Clem, ça te va? Bon, bah écoute. Moi j'étais encore là, mais je regardais juste sans parler. Ah, bah super, bravo, merci Clem. Merci Jason. Désolée Clem. Non, parce que du coup, moi, c'est-à-dire que bon, bah, tout le monde a une vie. Je veux dire, voilà, je vais pas vous cracher dessus, loin de là. Bien au contraire, oula. Non, c'est vous avez tous une vie, tu vois. Vous avez tous une vie, vous faites ce que vous voulez. Voilà, faites votre vie tranquille et puis après, bon voilà quoi. Je suis pas là pour dire oui, mais non, viens, vous avez pas parlé. Non. Voilà, à un moment donné, je veux dire, voilà quoi. Excusez-moi pour le micro.
Ok, bon. Je partage vite fait un petit peu par rapport à. Par rapport à Twitch. Alors, du coup, oui, pour en revenir, Ludo, tu regardais quoi comme série, Ludo? Qu'est-ce que tu nous regardes de bio, de bon? La fille, ça a plus parlé. Désolé, tu me demandes. Bien sûr, attends, Jason, t'as une vie. C'est, je veux dire. C'est pas moi qui va vous demander de rester pendant 3 heures sur mon live juste à regarder ce qui va se passer ou même à m'entendre raballer des conneries ou même être raballer des insultes par-ci par-là, quoi. Qui a tué Sarah? Ah, j'avais entendu parler. Enfin, j'avais vu un extrait de cette série-là, mais elle ne m'avait pas. Non. J'avais vu un extrait, mais j'étais pas. Tu vois, j'étais pas super. Ça m'avait pas intéressé. Ouais, j'ai tué ça. Voilà, tu vois, Ludo, t'as ta réponse. C'est Clem. Elle c'est trop chill, elle a eu marre, il a dégommé, voilà. Voilà, à un moment donné, voilà. Eh? Ok. Bon. Qu'est-ce que vous en dites de commencer maintenant? Parce que là, on est à 7 minutes, on est dans les temps, ça va. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans un labyrinthe de merde pour essayer de trouver Eisenberg, pour essayer de le tuer? Enfin! Parce que ça fait quand même 4 lives qu'on essaie de le tuer, mais 4 lives que c'est un fail. Faut se le dire. Bah après je parle très peu quand je regarde des streams. Je parle surtout sur le tien et sur celui de Lunar. Ouais, sur celui de Kevin. Ouais, bah oui, après bon voilà, c'est vrai que bon, Kevin il met tout de suite dans l'ambiance quoi, tu vois, en même temps ce mec, Kevin c'est Kevin. C'est Kevin. Voilà, pop, 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 pop. Ok, c'est bon, on y va. Let's go. Oh. Urf, une mauvaise vue. Urf, je crois que j'ai besoin de lunettes. Le gros sac. Ah ouais, non mais quand tu commences ton stream et que t'es là comme ça face à lui, tu te dis merde. J'ai loupé un épisode. Je vais trop. Bienvenue, Ethan. J'ai du nouveau en stock. Là, tu m'entends ou pas? Clem, est-ce que tu m'entends? Oui, non, c'est, je crois savoir pourquoi vous m'entendez plus. Parce que quand j'éteins la lumière, en fait, c'est-à-dire que mon son
C'est-à-dire que en gros, au niveau du, tu sais, parce que moi je joue sur PS4. Donc en fait, si tu veux, tu as mon fil que je branche directement à ma manette. Quand j'éteins la lumière, elle s'est légèrement débranchée. C'est peut-être pour ça que vous ne m'entendez plus. Je ferai plus attention la prochaine fois. Ah bien, si en plus je vous coupe le micro, ça va pas le faire, hein. Pauvre de vous. Comment je vous maltraite? Oh, vous avez le droit de rager là. Vous avez le droit d'être en colère. Je dis ça, je dis rien. Alors du coup, je disais que hier, quand tu n'étais pas là, Clem, quand tu étais parti, j'avais hésité à prendre le V61 Custom. Parce que je sais pas si tu l'avais fait le jeu, Clem. Il me semble que tu l'avais fait, non? Le jeu. Parce que du coup, là, il me propose deux armes qui me plaisent bien. Si, si, tu l'as fait. Parce que du coup, moi, je me pose la question dans le sens où c'est que est-ce que le V61 Custom, il est potable ou pas? Est-ce que tu l'avais testé, cette arme ou pas? Savoir si je peux le prendre ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Parce que lui, le fusil d'assaut, j'ai pas le fusil d'assaut. Si tu me parles de lui, j'en ai un d'un peu plus meilleur. Normalement, j'ai lui. Donc le fusil à pompe. Ben lui, je l'ai vendu lui déjà. Je l'ai vendu lui pour prendre lui. Si tu vois ce que je veux dire. Pas le pompe. Lui? Le SIG 12, le fusil semi-auto, tu parles? Ouais, je peux attendre pour avoir les sous pour le prendre. Parce que là, il me demande 180 000 et j'ai que 139 000. Donc ça, je peux attendre pour le prendre, récolter masse d'argent, masse de pièces pour le prendre. Parce que j'hésitais, en fait, c'est ça. C'est hier soir en fait. J'hésitais entre lui et lui. Je me dis, lui, il est petit. J'ai déjà deux pistolets. Ça me fait chier de prendre un autre pistolet. Donc, je vais essayer d'amasser plus de thunes pour prendre lui. Pour prendre le SIG 12, le fusil semi-auto. Ok, pas de souci. Merci Clem. Bonne journée. Ok, niveau munitions, pistolet, là on est pas mal, hein. Hier j'étais partie en courant. Parce que hier, j'avais des choses qui me collaient au cul, clairement, qui me collaient au derrière. Et du coup, j'avais un petit peu peur. Donc je me suis cachée. Là, on est rapide, hein. T'as vu ça, Clem? Vous avez vu ça, comment je suis rapide? Ça fait genre 15 minutes que je suis en stream, direct je joue. C'est bon ça. Ça fait plaisir un peu. Pas comme hier. Bon, hier, c'est-à-dire que hier j'ai retardé un petit peu le live. C'est pour ça que je m'en excuse toujours autant. Hein. Est-ce que là j'avais fait ou pas? Ah mais c'est un cul-de-sac. Ok.
Bon, on va ici. En même temps, je vais essayer de voir. Mais je pense que Heisenberg va être chaud à tuer parce que là, j'ai plus beaucoup de balles. Si je ne récupère pas des munitions assez rapidement, je vais être dans le caca. On peut se le dire. Sincèrement, non. Comment ça, sincèrement? Oui, parce que du coup, moi là, je sais plus du tout ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Tu verras par toi-même. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Hein, ça, je verrai vraiment par moi-même. Hein, ça, c'est. Mais je pense qu'il va être. Pour moi, il va être chaud à tuer. Pour ce que je pense. Après, ça reste à voir, hein, vu comment j'ai défoncé, enfin vu comment j'ai tué la poupée et vu comment j'ai tué la grande dame, je me dis peut-être qu'il y a une chance. Enfin, de toute façon, je vais bel et bien finir par le défoncer, le mec. Hein. C'est sûr. Hein. Pour moi, c'était plus facile. C'était le plus facile. Ouais, mais après, je verrai. Je verrai. Ça, c'est vrai que ça, c'est une chose. Mais avant d'aller voir et avant d'aller tuer Heisenberg, je dois d'abord tuer lui. Et son collègue, qui est normalement pas loin. Je pense que je vais aller crafter des munitions. Enfin, pas des munitions, plus des bombes. Non mais en fait si je veux pas en fait. C'est vrai que lui il faut vraiment que je recharge bien vraiment. Ok. Bon, ces deux-là ils sont faits. J'ai encore deux munitions au niveau d'ici, trois d'ici. Donc ça va. Là on est pas mal. Je vais faire le tour pour voir ce qu'il peut y avoir. Et sinon, oui, c'est deux que j'ai eu peur hier soir. Alors, il y en a un là. Oui, c'est là que c'est lui que j'avais oublié. Il me manquera plus qu'à faire un haut. Là, j'aimerais bien voir en bas pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Normalement, non. Je vais voir vraiment si. Une fois que j'aurai fait ce qu'il y a en haut, c'est à voir si j'oublie des trucs en bas ou pas.
Un autre modèle? Où tu le vois? L'autre modèle? Non, parce qu'à ce stade, je pourrais plus les tuer, quoi. Oh non, je la compte ici. Bah en bas, je pense pas avoir oublié quelque chose en dedans en fait, à tout moment. Ici j'ai tout fait ou pas? Ah non, je dois monter encore. Génial. Mais non, je dois pas monter. Bah mince alors. Ah, c'est là-bas que je montais. Est-ce que le chat va bien? Est-ce que vous allez bien le chat? Ce truc ne m'inspire pas du tout confiance. Normalement, ça doit être bon partout. Faut que je trouve un moyen d'arrêter. Ah. Alors attends. Voilà, juste il y a un truc avec. Quête. On va bien voir ce que ça donne. C'est la source d'alimentation. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je pense que là, il y en aura un qui va débarquer. On va rien comprendre, les gars. C'est beau. Ok. Il y a des bruits, j'aime pas. On va se le cacher. Peut-être qu'un jour je ferai un live 24 heures, mais peut-être un week-end ou je sais pas. Et qui se remet pas en marche pendant que je suis en train de monter dessus, hein, les gars. Moi, ça m'inspire pas confiance, ce truc. Voilà, là, tu peux te remettre en marche, y a pas de soucis. Je passe un peu sur le live de. Non. Il est sérieux, il est en live. Il est sérieux, il est en live. Ah, mais sur Google, pas sur, sur YouTube. Sur YouTube, il est en live. Mais il n'y a pas de souci, j'attends, t'inquiète. T'inquiète, fais ta vie. Fais ta vie, t'inquiète. Allez hop. Petit coucou. Mon live. Je viens de perdre un œuf. Twitch. T'es en train de parler de brûler des chèvres sataniques. À plus tard. Attends, j'en profite, il n'y a pas beaucoup de monde.
faire le tour. Visiblement non. Je garde un petit peu son live un petit peu de côté. Mais il n'y a pas de souci. Hein, si... Allez, l'autre là qui revient. C'est dingue ça, surtout sur YouTube, le pauvre Kevin, il a un mec qui vient le faire chier. C'est hallucinant quoi. Le pauvre. Bon, nous on continue l'aventure, et voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, projet d'amélioration du soldat. Nom de code, Solta Jet. J'ai attaché un réacteur dorsal à des stabilisateurs à un soldat pour améliorer sa mobilité. Résultat, capacité de vol limitée. Incapable de parcourir de longues distances, mais peut voler. Je reprends, mais peut survoler des terrains accidentés. Ok. Et projet d'amélioration soldat, nom de code soldat penseur. J'ai ajouté un blindage, un alliage d'aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique de la partie exposée de sa chair. En même temps, ce stade, je suis pas sûr qu'ils aient grand chose de chair. Résultat, invincible contre les armes à feu ordinaires, l'arme a tendance à se détacher en cas de choc important. Il faut poursuivre le développement. Ok, je pense que ça va nous tomber sur le coin de la gueule sans rien comprendre. Mais c'est pas grave. Oh, super, un fluide. Les plans, ok. Pas de soucis. On peut pas aller là. Si? Non, on peut pas aller là. Ok. Ok. Et j'ai pas su quoi faire. Je pense qu'il faudrait que je prenne l'arme. Le fusil. Enfin pas le fusil mais le pistolet. Ok. Bah t'es déjà mort une fois, Ethan. C'est bon. Et du coup, faudrait faire le contour là, mon grand. J'espère que t'es prêt à crever plusieurs fois en fait. Ah, donc on revient juste là. Ok, moi je dis pas non des nouveaux trucs et tout, moi je dis vraiment pas non. Du coup ça c'est fait. Mais là c'est ça qui me perturbe un petit peu. Parce que du coup j'ai pas pu faire ça en bas. Enfin j'ai pas pu faire ça. Du coup ça me stresse un petit peu beaucoup en fait. C'est pas grave. Je dois aller là. Bah saute. Tu vas me dire que tu peux pas sauter là. Bah voilà. Tu vois quand tu peux.
On y va vraiment que dalle. Allez, Ethan, on peut le faire. Forcément, ici, ça sera rouge. Puis qu'il y a des trucs à faire. Comme, je sais pas, appuie sur ce bouton-là. Appuie sur ce bouton-là. Appuie sur ce bouton. Ethan. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Et c'est un peu pour moi. Bah qu'ils prennent Rose, comme ça ils nous tuent Miranda, et puis basta quoi. Qu'on n'en parle plus. Comme ça tu Miranda, toi tu le tues, puis basta quoi. Ah, on est plus haut cette fois. Ah, ça continue. Bah oui, ça continue, t'as tu le savais. Hein. Tu t'attendais au final. Hein. Attends. Ça là. Non mais par contre ce qui est marrant, on en parle ou pas? Ah mais là ça fonctionne. On n'a pas le fait que ce soit beau ou pas. J'enregistrerai. Bon, je quitte pas le jeu, hein. Je ne fais qu'enregistrer, ne vous inquiétez pas. Bienvenue. J'ai pas envie de quitter le jeu maintenant. 14 000, il m'en manque pas beaucoup, c'est ça le pire. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Bah non, connard. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. T'as qu'à te lever pour aller voir ce qu'il y a en plus, quoi. À un moment donné, chérie. Mais j'ai toujours pas trouvé. Bah oui, faut aller au. Faut aller en bas. Faut aller au moins 3. Bien sûr. Donc au B4. Du B4 pour aller au en dessous. Je bois un petit coup, je mets sur pause. Enfin je me mute.
Ok, c'est parti. Alors, pour aller... Mais en vrai, ça n'avait pas fait en face. Ah oui, mais ça, il me fallait le... un truc en plus. Mais je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai loupé, là? La clé de Lucia, c'est une blague. Qu'est-ce que la clé de Lucia a à faire ici? Ah oui, c'était par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je fous avec la clé de Lucia en fait? Je s'en fous un peu de sa clé. Elle est... Meuf, elle est cramée, elle est cramée. Fini pour elle. Elle est morte. Salle des machines. B. Nous, on est là. Il faudrait monter pour aller là. Donc il me faut monter. Il faudrait que je monte pour aller là-haut. C'est sombre. Sans déconner. Ne passe pas tout à l'heure, je te rappelle. Oui, parce que clairement, mon couteau ne fera rien, quoi. Qu'on se mette d'accord. Et voilà. Voilà, ça nous fera plus de trucs pour nous, pour revendre après. Ça, c'est cool. Pardon. J'ai eu bloqué d'un coup. Je sais même plus de par où on est arrivé. Je te laisse, je vais lancer mon live. Pas de soucis, Clem, pas de soucis. Vas-y. Bon game à toi. Et puis si jamais t'es encore en live pendant que je suis là, enfin, si tu live pendant que j'arrête mon live, je te ferai un petit raid des familles. Donc là normalement là je vais pouvoir atteindre la salle des machines je pense. Enfin, le truc là. Moi j'espère.
Je sais même plus où c'est qu'il est le truc, en vrai. Mais c'est pas là. Il faut que j'aille, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. C'est plus bas qu'il faut que j'aille. Mais je sais plus tout comment on fait pour y accéder. Ça fait chier ça par contre. Parce que c'est ça, moi il faudrait que j'aille à la en bas en fait. À la fonderie. Sauf que je sais plus du tout ce qu'est la fonderie. Je crois qu'il était plus faire là-bas. Je sais plus. Peut-être que je peux passer par là. Je vais essayer de voir. J'essaie de voir pour voir où c'est que ça me mène. On verra bien. Mais c'était pas là que je t'ai passé tout à l'heure déjà. Est-ce qu'il faut pas que je descende en plus? Parce que par exemple c'était pas plutôt cette porte. Je sais plus du tout. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Ah là là. Quelle belle merde. Non parce que c'était par là qu'on vient. C'est par là qu'on était venu déjà. Et c'était pas là, non, c'était ailleurs. C'est notre porte qu'il faut que je prenne. Mais il faut juste que je me rappelle laquelle c'était. Et si je me rappelle laquelle c'était, ben là je pourrais effectivement continuer peut-être le live. Enfin pas le live, mais je pourrais peut-être continuer. Est-ce que c'était pas plutôt ici? Là normalement là ça peut. Mais c'est ça là qu'on n'avait pas réussi à défoncer là. La fonderie était où déjà? Elle était là-bas je crois. Non mais elle était pas là. Je vais y arriver. Parce que là, il faudrait que j'aille là, en fait. Et sauf que là, je sais plus du tout ce qu'il faut aller pour aller là. Est-ce qu'il faut pas que je monte pour pouvoir y accéder? Je sais plus, je me rappelle plus. Pourtant, je l'ai fait hier, hein, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout, du tout, du tout. C'est génial. Mais c'est sûr c'est pas là. Parce que là on en vient de là en fait. On en vient d'ici. Donc est-ce que c'est pas ailleurs? C'est possible que ce soit ailleurs aussi. Hein. Que depuis le début je fais fausse route.
Parce que je sais que j'avais galéré justement à trouver déjà ne serait-ce une sortie, j'avais galéré à trouver une sortie. Et le fait de me dire que je dois tout refaire, c'est chaud quand même. Peut-être que c'était par là. Bah, honnêtement, c'est vrai que même moi là, je me rappelle même plus. Là, c'est ok. Mais là, on peut y accéder, là. Je vais voir si je peux pas faire marche arrière. Juste pour voir. Je passe par là. C'est un cul de sac, non? Parce que si je vais là. Ok, c'est possible que. Je vais juste aller me crafter des armes parce que du coup là j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Ok, là on est plutôt pas mal. M'en faire au moins un. Donc là, on avait vu que c'était pas ici. Est-ce que si je retourne en face et que je déglingue l'autre, peut-être que je pourrais arriver. Ben là. Allez, ça c'est fait. Ok, là je vais pouvoir. Par contre, là j'avais, je sais que j'ai oublié un truc. Ici, c'est ça? Non, pas ici. 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 Qu'est-ce que j'ai pu oublier ici? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ici? C'est pas ici. C'est sûrement là-bas. Non, c'est ça. Alors, ouais, mais là c'est bon, c'est fini. Là, j'ai fini de l'utiliser. Là, c'est bon. Par contre, c'est ici l'interrupteur. Ça pourrait être. Là, je vais essayer de passer par là si je peux. Et sinon, aller dans la pièce d'Eisenberg. Ça pourrait être pas mal, ça aussi. Ça pourrait être pas mal. Je vais du coup là, normalement, la salle d'Eisenberg, elle est juste là-bas. Ok. Et comme ça, je pourrais avoir fait la plupart de l'usine. Donc c'est celle-ci. Il y en a deux ici, un ici. Thank you.
Ok. T'appelles ça une salle. Ma foi, si tu le dis. Kitty Stuff dit grosse galère après. Ça. J'ai oublié un truc ici en plus. Une pièce métallique, un arbre. Ok, donc de là je peux pas y aller. Ok. Si je fais le tour là-bas. Ah ouais, mais j'aime pas ça, ça c'est la merde ça. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Ouais, mais c'est tout ici que j'ai oublié un truc. J'aime pas ces trucs là, à chaque fois ça m'énerve. Tu sais, j'arrive pas à savoir si j'ai oublié un truc ou pas. Je ne comprends pas. Ah, il faut te concentrer ici, hein. Je te le dis, moi. Je pense que je vais peut-être bien tous là les dégommer. Si je me mets là, ça se trouve c'est plus lent ici. Il faut que je me fasse du steak. Merci Gaïa. Oh, mais wesh. Mais wesh. Mais c'est une blague. Bah coucou Gaïox. Alors. Bah maintenant, bah écoute, maintenant ça va super bien, merci. Et toi, comment tu vas? Est-ce que ton live s'est bien passé? Mais en tout cas, écoutez, là, vous savez quoi? Là, je vais dire merci à chaque personne là que j'ai vu là apparaître. C'est-à-dire Florian, Rocky, Faya, Kayox. Bah merci à toi. Mais ah, franchement là franchement tu vois toute la force, le raid, tu vois là je prends toute cette force et en fait là j'ai eu une once de bonne humeur d'un coup dans la gueule en fait. Et du coup en fait c'est trop de bonne humeur qui arrive d'un coup en fait. Il y a trop de bonne humeur qui arrive d'un coup comme ça, bam.
Par contre, j'ai pas eu le petit retour, mais je crois que Kiket aime bien Faya. J'aime bien, tu sais quoi, parce que du coup, Kiket a dit. Ah non, c'est Kiket a dit bonjour Florian, bienvenue sur le live, et bienvenue Faya sur le live. C'est les deux seuls à qui elle a dit bonjour, tu sais. Limite. Bon, en tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue sur mon stream. Et là, on est en train de faire R8. Je galère un petit peu. Là, je suis en train d'essayer de défoncer les petites boules. Je dois dire que c'est assez particulier. Mais du coup, je fais de mon mieux pour que justement, je ne meure pas. Voilà. Je fais de mon mieux pour ne pas mourir. En tout cas, j'espère que Kayox, tu as passé un bon stream. J'espère que tu as streamé sur quoi, Kayox? Tu étais sur quel jeu à peu près depuis que tu es venu ici? Ça ou quoi, c'est lumière. D'où tu m'as touché, toi? Alors, des fois, ouais, des fois, je comprends pas trop le jeu. Voilà, il me touche pas, mais en fait c'est ça, c'est il me touche pas, mais il me fait quand même mal. Bah, vous voyez? Il me touche pas. Je crois que Ethan a un petit problème de machine. Voilà. J'ai vu que c'était rouge. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est rouge. Bon, maintenant que j'ai compris la technique du on peut arrêter les machines. Ça, c'est plutôt cool. Comme ça, je pourrais passer tranquillement. Sans avoir peur de me faire tuer. C'est quand même heureusement que j'avais quand même crafté des soins parce que là honnêtement il m'en reste qu'une. Donc bon ma foi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi. En fait, s'il faut, c'est juste au début, tu sais. Peut-être au début que j'ai loupé. Même pas. Je ne comprends pas. De voir un peu. C'est les lumières, je pense pas que les lumières, on puisse les défoncer, quoi. Donc là, j'ai arrêté toutes les machines, ok? Qu'elles se remettent pas en marche, hein, par contre, hein. J'ai pas envie qu'elles se remettent en marche, moi. Peut-être que c'est en haut là-bas. Là, c'était juste pour nous faciliter la tâche. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais dû penser dès le début, quoi. J'aurais dû me dire, ah, oh, ben t'as, on peut enlever ça. Mais j'ai pas du tout pensé, en fait.
Je dois aller où? Je dois remonter là-bas. Ouais, je dois remonter là-bas. Et en même temps, j'en profite un petit peu. Pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui en ont envie, en fait, j'oblige per vu que j'oblige personne, vraiment, tu vois, à tout ça. C'est pour ceux qui en ont envie. Voilà, là je partage pour ceux qui ont envie de voir un petit peu ce que je fais. Pour ceux qui intéressent, encore une fois, vu que j'oblige personne, j'obligerai vraiment personne à tout ça. C'est vraiment ceux qui en ont vraiment envie, quoi. En même temps, moi, juste continuer. C'était par où c'était? Ok, c'est par là-bas. Ok. Voilà, c'est rouge. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Je vais passer. Je ne vais pas passer une éternité à chercher ici. Parce que du coup, vu que j'ai vraiment envie de continuer le jeu. J'ai pas forcément envie de vraiment Ok, je récupère juste mon pompe, on sait jamais. Ça c'est fait. En profiter un petit peu pour recharger tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'ici j'étais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc là, tout le train là que je vais devoir me retaper, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, là j'ai fait ce que j'avais à faire et puis basta, c'est pas grave. C'est vraiment pas du tout un problème. Je me demande si je vais pas même remonter par ici. Qu'est-ce qu'il y avait déjà ici? Est-ce que je pouvais passer par là ou pas? Ben en fait non, parce que du coup on en vient. Donc du coup ça sert à rien ce passage. Je pense que ça doit être un passage assez rapide. Je vais juste continuer pour avancer, pour rejoindre. Parce que là je suis à combien là techniquement? J'ai même pas assez. Je pense pouvoir avoir assez quand je vais pouvoir tout simplement faire la vente des objets que je n'utilise pas. Ça pourrait être pas mal du tout. Faut juste qu'en fait je me retrouve. Ça va le faire. Ok, si je passe par là, normalement là non. Faudrait que je monte, c'est ça. Je crois que c'est ça, je crois qu'il faut que je monte.
me rappelle même plus. Là que je monte encore aussi, du coup. Mais vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors faites pas attention à Kikette, hein. C'est parfois elle est là. Tu sais pas pourquoi. Parfois elle balance des trucs. Moi-même je comprends pas pourquoi. Ah! Au revoir. parce que vu l'armure que c'est le bordel, quoique ça peut rapporter beaucoup ça, non? Ça rapporte beaucoup ces trucs-là. Ça peut être pas mal. Ethan, tu as utilisé le seul soin qu'il nous restait. C'est pas grave. Est-ce que les bombes ça fonctionne sur lui ou pas? Je vais commencer avec ça. Tu peux me laisser passer s'il te plaît? Ok, bah bombe, mec. Cœur mécanique parfait. C'est ok. Donc ça va nous rapporter pas mal. Et je vais pouvoir m'acheter l'arme que je souhaitais. Voilà. Si je retrouve un jour la sortie, bien évidemment. Oups. Parce que, attends, parce que là je suis pas prête là. Mais tire, mais il est con ce mec ou quoi? Un cœur mécanique parfait. Ok, donc déjà ça nous coûtera cher. J'ai plus de munitions. C'est ok. On accepte. Ma foi. Je peux. Il faut juste prier pour que je. Oui, c'est bon. Ça y est. C'est bon ça. On va aller voir Gollum. Oui, c'est ça, il m'a entendu. Ok. Donc déjà, on sauvegarde. À votre service. Bah oui, c'est à mon service, oui, ça je sais.
Ne faites pas attention à moi. Bon, t'inquiète pas, que ça fait un petit moment que je ne fais plus du tout attention à toi. Alors, forcément, il nous a manqué. Voilà. Ça, voilà. Voilà. Donc déjà, rien que ça. Oui, non, mais ça, je sais. Ok. Alors, juste, je vais juste vous abandonner deux petites secondes. Il faut que j'aille faire pipi. C'est bon, je suis là. Je suis revenue. Ok, alors. C'est ça que j'ai vu. Le F-61 Custom. Non, mais c'est pas ça que... C'est pas toi que je voulais. Mais non. Le F-61 Custom. C'était lui. Par contre... Non, ça me foutrait genre là. Voilà. Un choix intéressant. Ok, ça on est bon. Les bombes pareil. Aha. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre de plus? Le... mais lui, je l'ai pas, lui. Le M1000... Disais... M900. C'est, non, c'est pas lui, à moins que ça soit l'autre. Lui, mais même pas, le GM79. Et lui, c'est le M1851. 1851, je l'ai même pas. Ah si, je l'ai là, c'est lui. Ah, si seulement vous en aviez les moyens. Bah, c'est pas que je n'ai pas les moyens, c'est qu'il est indisponible, gros. C'est un investissement, Ethan. Ok. Revenez quand vous voulez. J'en profite pour aller recharger bien comme il faut les armes. Ça c'est ok. Donc lui, puis même lui, je pense que lui, on va juste le mettre en raccourci à la place de lui. Voilà. Les bombes, toujours pareil, toujours au même endroit. Voilà. C'est vrai que là, je commence un petit peu à manquer un petit peu de place par rapport à ça, mais c'est pas grave. D'ailleurs, là, tu vas même utiliser lui.
Ok, je pense qu'il faudrait juste que je monte. Je pense que lui aussi, il faudra que juste que je l'améliore bien. Ça pourrait être cool. Ok. Ouais, comme ça, là. Ah, super. On va pouvoir enfin utiliser la clé des Edbirk. Sauvegarde automatique. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Non, mais sinon. Pas vrai? Non. Il y a quelqu'un qui t'attend. Non, mais sinon, moi je suis très bien avec le marchand. Regarde lui, au moins il parle bien. Bah, il me prend pas trop pour un con. Il a juste des spasmes, mais c'est tout quoi. Je vais quand même sauvegarder, on sait jamais. Non, mais sinon, je suis pas très très motivée quoi. En fait, là, c'est qu'on peut se le dire là. Hein. Non, mais sinon, voilà quoi. Et je pense qu'il est dans la grande salle. Voilà. Pourquoi tu me donnes des sous? C'est pas des sous moi que je veux, moi. En prenez tout mon intérêt des bombes tout d'un coup. Je sens que je vais en avoir bien 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 besoin. Mais bien bien besoin. À ce stade, je crois que là, ce n'est plus une option. Parce que du coup j'ai gardé lui. Ok. Tout notre temps. Hein. Je sais pas pour vous le chat, mais moi personnellement, voilà. Honnêtement, là à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout pressée de rencontrer la personne ou la chose, parce que là c'est même plus une personne, c'est une chose qui fait d'ailleurs trembler les murs. Et voilà. C'est-à-dire que j'ai un petit peu rien vu venir. Bouge-toi le fion, peut-être que là tu y arriverais peut-être.
sais pas du tout comment l'affronter ce truc. J'ai plus aucune question, ça me gave. On va y arriver, on va y arriver, on va vraiment y arriver. Donc là on va crever. Parce que là le souci qu'il y a c'est que là il me faudrait vraiment des bombes. Mais t'as cramé la sodomie, mais vas-y, mais rentre-toi frère. En même temps, c'était un petit peu plus rapide, mon grand. Peut-être qu'on s'en sortirait là en fait. À tout moment. Là je sais pas comment je peux le défoncer le truc, parce que là le truc qu'il y a c'est que là il nous fait mal quoi, parce que si là je regarde examiner, lui il est à 960, lui il a combien, lui 960, lui il est à 1200, ouais, mais normalement lui il est censé faire plus mal quoi. Pas. Il est mort. Ah ouais. Ah putain, on a eu chaud au cul, hein. Je vous le dis, moi. On a eu très très chaud au cul, là. Parce que là, je pense que là, le prochain coup, il fait très mal, quoi. Quelle apanade qui débarque, hein, parce que alors là, je pète un plomb, quoi. Elle est où la chèvre? C'est d'aller par âge. C'est censé être là, cette connasse. Elle est censée être juste là. On va croire le bruit, elle est censée être là. Un cigare. Elle est
Ah ben voilà. Juste la connasse. Par contre, je crois que je n'ai pas fini ici, donc du coup j'aimerais bien finir au moins ici. Ouais, parce que là c'est encore rouge. On va pas aller de suite ici parce que franchement je sens pas du tout le truc. Alors Miranda est ignoble. Sa fourberie ne connaît pas la ne connaît pas limite. Sa fourberie ne connaît pas limite. Ça veut rien dire ça. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu de la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles jamais, je lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait. Cette bonne femme a toujours une case en moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je ne serai jamais maître de ma propre vie. Ceci dit, elle est encore plus folle. Enfin, elle est peut-être encore folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au Mega Missets. La clé de cette gamine rose, si je pouvais m'emparer de son pouvoir, alors peut-être que... Mais j'y pense. Son père Ethan a un corps plutôt intéressant lui aussi. Je pourrais peut-être le forcer à m'aider. Coucou Rémi, excuse-moi, j'avais pas vu ton petit message. Comment tu vas? J'étais trop... disons que j'étais beaucoup dans le jeu. Du coup, j'ai pas vu que t'étais là. Je suis désolée Rémi. Comment tu vas? Comment tu vas Rémi? Est-ce que t'as passé une bonne journée Rémi? Aucun souci, je comprends, je ne voulais pas t'embêter durant la fight. La fight, ah, t'étais là quand je me suis battue contre l'autre bougre. L'espèce de ferraille là. Écoute, à la cool, à la fraîche, et donc, ah, si ta journée s'est bien passée, ça va. Bah écoute, moi ça va aussi, pareil, hein. Ça va. Yes. T'as vu comment j'ai galéré. Je suis passée à un cheveu de je suis passée à un cheveu de mourir. Et je me suis dit, mais attends, je peux après tu l'as vu comment j'ai fait Je me suis joué de lui. Il a rien capté. Mais pour moi il allait jamais mourir hein. C'est quand Ethan il a dit ça que je me dis, ah mais il est mort. Ah bon, tant mieux. C'est chaud mais tu l'as fait. Bah écoute, ouais, franchement, ouais, de ouf. Je suis contente. Déjà lui au moins. Déjà c'est lui en moins. D'ailleurs Rémi, je sais pas si tu étais là l'autre jour. Je pense pas. Je crois que t'étais venu en cours de route. Mais Kiket a de nouvelles fonctions. Si jamais tu veux t'amuser un petit peu, j'ai pas les commandes sonores, mais si jamais tu veux t'amuser un petit peu avec elle, grand bien te fasse. Bon, c'est juste la petite info, voilà. T'en fais ce que tu veux maintenant. Non, mais après, voilà. Mais après, ouais, franchement, il était grave chaud, Monsieur Ventilou. Mais il est chelou en vrai, je trouve. J'ai pas vu de tête, il a pas de bras non plus. Peut-être que ça a éclaté tant que j'ai tué. Ce qui est fort possible. Enfin, non, quoi que non, j'ai pas vu de bras.
Kikette? Mais Kikette, c'est ça. Kikette, c'est elle. Alors, attends. Est-ce que je vais pouvoir arriver à la faire parler? Alors, Kikette, c'est le bot. Regarde. Oh, mais non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Je te fais une connerie, hein. Voilà, t'auras pas la commande sonore, mais. Voilà, en fait, c'est ça. Tu fais ça, puis marque ça. Bon, normalement, t'es censé avoir la commande sonore qui va avec cette phrase-là. Mais là, je le ferai quand j'aurai compris comment on met une commande sonore, en fait. Donc, du coup, voilà. Kikette, c'est Kikette. C'est Kikette. Je l'ai trouvé marrante. Je l'ai trouvé marrante parce que bon, Westbot ou WBot, je me dis bon, c'est quand même assez connu. Puis Kikette, on la voit pas souvent. Kikette, c'est Kikette. Oui, mais si tu veux là, en fait, principalement le jeu, en fait, le jeu, je stream sur PS4. C'est-à-dire que le jeu, il est sur PS4. Mais le live, je le gère via mon PC. Donc sur PS4, je ne fais que vous montrer le. C'est lourd qui justement, je voulais faire. Tu te bon entente, tu vois que bon, les gens, quand tu vois Kikette, voilà quoi. Ils rigolent, tu vois. Et je vais essayer de comprendre comment on peut. Mais normalement, tu vois, là, tu as le nom. Tu as ça. Tu as lui. Et là, normalement, tu vas avoir une commande. Enfin, tu vas pas l'entendre, mais tu auras une commande sonore avec ce mot-là. Enfin, après, on peut. On peut avoir plein de trucs comme ça. J'ai mis aussi, normalement, le A. Comme ça. Et là, normalement, tu vois, t'as une commande sonore avec l'autre truffe là qui fait ah. C'est comme il fait dans Koh-Lanta, quoi. Du coup, je me dis, bon, ça peut être marrant, mais sans le son, c'est un petit peu compliqué. Le chien, en fait, le chien, tu vois, je l'ai mis manière de. Soit c'est moi qui gagne et que le mec il est à terre, tu vois, genre il meurt, mais genre, tu vois, je peux mettre ça ou. Même, je vais essayer aussi de mettre une commande sonore où c'est que tu peux mettre GG comme ça ou le bravo. Comme ça. Normalement, bon, il le met pas. Bon, c'est Kikette. Bon, excuse à Kikette. Donc voilà. Les petites nouveautés du stream. Qui j'espère va continuer à plaire durant plusieurs jours. J'essaie avec OW3NED. Oh Ned. Mais rien ne se passe. Ok, mais je pense que tu vois, je vais le tester, tu sais, quand j'aurai un meilleur PC. Je pense le tester, tu vois, genre que là j'aurai un PC fixe. Tu sais, pour streamer un petit peu avec mon PC fixe. Passer par OBS et puis si jamais faire avec OBS et streamer sur PC fixe et utiliser le PC que j'ai actuellement pour tout ce qui est chat. Longue vie à tes streams. Ben, je l'espère. Oh, je l'espère. J'espère aussi, tu vois, pouvoir aller loin. Si Twitch et si la communauté Twitch me le permet. Tout simplement. Voilà. On verra bien de toute façon. Hein. On verra bien. Puis après, qui sait, hein, peut-être que. Parce que tu vois, j'avais envie tu vois, de mettre des modos. Mais bon, là, ça sert à rien. T'as vu, on est trois pèlerins, tu sais, sur le stream. Qu'est-ce que tu veux que.
Qu'est-ce que tu veux qu'on ait quelque chose, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on ait quelque chose? C'est, je veux dire, pour le moment, ça va, quoi. Je pense que ça fera, tu sais, ça viendra, tu sais, au fil du temps, quoi. Vraiment, le fil du temps, où c'est que, bon, ben, peut-être que quand là, je ferai d'autres jeux du style enfin, d'autres styles, d'autres jeux dans le même style que R8 ou Evil Within. Peut-être que, bon, et puis peut-être que je ferai des jeux PC, peut-être que là, ça intéressera un petit peu plus de monde. On verra bien, de toute façon, moi, je suis bien comme je suis, moi, pour le moment. Ah, j'ai trouvé une petite communauté, moi ça me va. Hein. J'ai trouvé des collègues virtuels, ça me va moi. J'ai pas compliqué. Profite, après tu seras débordé. Ouais, c'est ce que je me dis. Bah, pour le moment, ça va quoi. Je dois être au pèlerin, ça me va quoi. Bon, après, si tu veux, je peux continuer aussi à jouer, hein. Non, mais là, une fois que j'aurai fini déjà ça, enfin R8, peut-être que je le ferai un petit peu en mode, tu sais. Oh, allons-y. Là, je sais pas pourquoi, mais ça pue. Direct, ça pue. Va falloir se fighter un petit peu. Déjà, là, Ethan, il a pris cher. Je me demande encore comment j'ai fait pour ne pas mourir, mais bon. Là, par contre, tu tombes. T'as mal, hein. Parce qu'honnêtement, c'est très haut. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ou pas? Je peux même pas remonter, c'est une blague. Ça, si tu tombes, ma gueule. Peut pas se suicider? Non. Mais tu tombes, frère. Tu prends cher, hein? C'est bon, là je peux passer par là, non? Non, ok. J'ai pas oublié des trucs. Non, ok. Je pense qu'on s'approche petit à petit de notre cher Heisenberg. Hein. Le moment que je redoute le plus au final, hein. C'est bien lui, hein. C'est vrai qu'Heisenberg, il est stylé, mais bon, de loin quoi.
J'avais dit quoi 5 minutes plus haut 5 minutes plus tôt. Que si tu tombes. Oh, encore. Non mais j'avais dit quand même que si tu tombes, tu meurs. Bonsoir parrain. Comment tu vas? J'étais en train de dire, on était au tout des, en fait, sûr, on était tout en haut. On était vraiment tout en haut, tu vois. Mais tout en haut, hein. Genre juste au-dessous du toit, tu vois. Et justement, j'avais dit, si tu tombes, le moment c'est que tu tombes, tu meurs. Bah, plus tard que 2 minutes après cette phrase-là, t'as Heisenberg qui me pousse dans le vide. Je l'ai santé. Je l'ai santé. Sauf que je ne voulais pas tomber de base. Donc là, il faudra tout se retaper. C'est génial. Bah écoute, moi ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Donne-moi ça. Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan. Tu nous gênes. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es ma femme, salope. Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler. Cette mission est déjà accomplie sans avoir de civils dans les pattes. Dark, comment tu vas? Coucou Payne. Comment tu vas Payne? Qu'est-ce qui se passe, putain? J'avoue, je me demandais juste comment j'allais. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. Bah écoute, ça va. Là, c'est le combat pour... Heisenberg. Je suis pas prête. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde. Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire. Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose. Putain, faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur. Je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un truc qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer.
Non, c'est vrai que moi de base, je ne me fais pas du tout remarquer. Non. Alors, bah écoute, moi ça va, Payne, merci. Ça va, on sort d'un live de merde. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Parrain! Alors! C'est quoi ça? Comment tu lui parles à Dark Wong dans mes CO? Non mais oh! On ne quitte pas quelqu'un sur mon stream! Non! Non mais oh! C'est quoi ça, arnaque? Tu vas perdre un ami. Je suis pas de bonne humeur. Pourquoi t'es pas de bonne humeur, parrain? Boulard! Boulard! Mais tu sais quoi, parrain? Assieds-toi, prends du popcorn, prends-toi un café. Et puis voilà! Et puis tu sais quoi? Tu sais quoi? Eh ben je sais pas. Non, mais après, ne vous quittez pas ici, s'il vous plaît. Et voyez, à un moment donné, je ne veux pas de rupture sur mon stream. Non. À part la rupture qu'il y aura entre Miranda et la vie, ok, pas de souci. Mais bon, s'il vous plaît, pas vous. Bon. Oh, j'ai failli m'étouffer. Bon. On continue? Oh, d'ailleurs, c'était rouge ici. Oh. Ok. Alors, Squad Wound Wolf. J'ai fait le tour de l'usine. Malheureusement, j'ai trouvé aucune preuve que quelconque. Enfin, j'ai trouvé aucune preuve d'un quelconque lien avec l'organisation. Néanmoins, j'ai pu mettre la main sur un certain nombre de documents révélant quelques-unes des expériences de Miranda. Ceci confirme nos hypothèses. Oh oui, faites pas attention à Kikette, hein. Elle est dans son trip, elle. Pas grave. Apparemment, elle s'est infectée avec le Muta Muset. Quel nom de merde, n'empêche. Tu m'étonnes que le truc soit aussi dégueulasse que son nom, que son prénom, quoi, le truc. Mutamiceps, putain, mais quel nom de merde. Ce qui lui a conféré plusieurs habiletés, notamment le mimétisme. Oui, le fait qu'elle puisse se transformer comme elle veut. Elle peut contrôler ses cellules et se transformer en ce qu'elle veut. T'imagines, elle loupe sa transformation? Et le bordel, au lieu de se transformer en autre être humain, elle se transforme en écrevisse. Oh, comment je me fous de sa gueule si ça arrive. Mais je me fous de sa gueule. Mon Dieu. Miranda a pris l'apparence de Mia pour s'introduire chez les Winters. Il est clair que son but était de kidnapper Rose. Elle s'est peut-être dit qu'en ressemblant à sa mère, elle pourrait plus facilement prendre le contrôle de la petite. Oui et non, quoi. Quand on a lancé l'assaut, elle a fait semblant d'être morte en attendant une opportunité pour se agir à nouveau. Pour agir à nouveau. C'est quoi ce kekenet? C'est mon nouveau pote. Dark Wong. Kiket. Kiket, c'est mon nouveau bote. Je l'ai appelé comme ça parce que du coup j'ai trouvé sympa comme nom. Du coup je me dis ça serait marrant d'avoir un bote qui s'appelle Kiket. Du coup, je l'appelais comme ça.
Ça serait quand même bien fun d'avoir heureux Jason. Il a fini son stream, Luna? Quand même pas, c'est que 23h. Enfin, je sais pas moi. Ouais. Bon, écoute. Oui, il vient de finir. D'accord. Ok, bon. Ma foi, il a fini tôt quand même. À moins qu'il va sur. Il va sur Twitch après. Je sais pas, moi en même temps, j'étais dans le jeu, donc du coup, bon, j'ai pas voulu, tu vois. J'ai pas voulu voir. Il y a Clem qui a un stream sur Paladin. En même temps, j'en profite, je check un peu ce qui se passe. Donc, ouais. Donc, on a pu voir que les choses ne se sont pas passées exactement comme elle avait prévu, mais au final, elle est tout de même parvenue à ses fins. Mais nous l'arrêterons. Je vais faire exploser cette usine avant de vous rejoindre au point de rendez-vous. Heisenberg va sûrement se manifester, mais je pense avoir trouvé de quoi l'affronter. C'est une sorte de véhicule de combat fait de composites métal polymère insensible aux forces magnétiques. Le moment est venu de renverser la vapeur. Alpha. Alpha, ça me fait penser à un nombre de chiens. Et donc là, normalement, là, c'est encore. Ouais, parce que je dois prendre lui. Je vais quand même aller checker pour voir si je peux pas. Ah, voilà ce que je cherchais. Ok. Soigner, bah écoute, j'ai pas besoin de me soigner. Ah, si, en fait. Mais je pense que je vais pouvoir peut-être. Oh, génial ça. Ok, donc je peux en faire quand? Donc il faudra faire très attention. Quand est-ce que je pourrais l'utiliser? Ok, donc là ça me ramène ici. Ok. Bon, ben on y va. Enfin l'affrontement avec Heisenberg. Est-ce que je vais y arriver? Mais je sais pas. Allez, monte, Ethan, n'aie pas peur. Vas-y, monte. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. J'arrive, Rose. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait pas que je me fasse trop remarquer. Préparer canon. Ok. Tirer, ça c'est pour comme ça. Ok, bon après c'est des munitions illimitées. Donc ça c'est chouette. Est-ce que le chat vous êtes prêt?
avoir un combat de ferraille. Ah mais du coup je peux pas avancer en fait comme ça. Là je suis comme ça, je peux pas avancer. Vous ne pouvez pas utiliser le canon lorsqu'il est en plein d'être en charge. Génial. Tu n'es qu'un misérable capard. Tu penses pouvoir m'affronter? Bien. Ce sera un échauffement de plus près. Avec les frères, d'hommes à prendre. Au cadavre, rejoindre les membres de l'armée. Allez bien. Let's go! J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas vite, tu sais. Tu sais, en même temps, c'est de ramasser le plus possible. Non. Ah ouais, dernière ligne droite, oui. Tu vas pas me dire que c'est tout, là. Oh, shit!
Ah si si, t'es mort mon grand, t'es mort. Couché. Bah écoute, merci parrain. Cerveau d'Eisenberg. Merci les gars, merci, merci beaucoup les gars. Ethan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Eisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop aïe, dangereux. Pardon. Attends-moi, d'accord? On peut dire que t'as fait autant... Rose? Attends. On peut dire que tu l'as autant dérouillé que le WD-40. J'avoue que la WD-40, mon frère... Tellement. Elle est tout ça aurait pas été utile pour lui, hein. Pour vu, comment, vu comment il est... Sans Eisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre Ethan. Qui es-tu? Où est Rose? Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Tu vas te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Megamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es? Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée, et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Eh ben donc... Enfin, Eisenberg est mort, après 4 streams dessus, dans l'usine. C'est génial. Là, on avance bien. Je pense que là, il nous reste au moins 2-3 heures de stream là-dessus, à tout péter, si tout se passe bien. De toute façon, là, R8, il sera fini je vous confirme dans pas longtemps. Hein. C'est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps. C'est ça, par c'est exactement ça. Partageons nos écrans. Que je t'explique la situation.
Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand? C'est ça, parrain, je suis d'accord. Tout ça, 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. Ah, regardez bien le prénom de la fille. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Mais regardez bien le prénom de la fille. Je veux savoir ce que le BSA a fou ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois? Le désert? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs de... Si vous avez bien remarqué, parce que moi j'ai pas les sous-titres. Mais si vous avez bien remarqué, à un moment donné, Chris dit Kenai. Sauf que devinez comment on écrit Kenai. En français. En français, ça s'écrit canine. Ça fait 2-3 fois que je le vois. Ça fait 2-3 fois que je suis mort de rire à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. C'est Resident Evil 8, après tout. Après tout ce qu'on a vu. Moi, je pense qu'ils l'ont fait exprès. Après, voilà. Je pense qu'ils ont voulu mettre une petite touche de rigolade. C'est fort possible. Les connaissant. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder. La plaque, elle est française. C'est des petites touches comme ça qui sont marrantes. Elles sont marrantes. Bah, moi, ça me fait rire parce que, bon, voilà, je me doute bien que, bon, le jeu, il est pas. Ça se passe pas en France, hein. Bon, après, voilà. Truc que même moi j'en tiens pas rigueur, hein. Moi je m'en fous, tu vois. À côté d'une plaque française et d'une nana qui s'appelle Canine, bon, ces deux erreurs là, le jeu il reste magnifique. Hein. Le let's play, le gameplay, les graphismes, ça reste magnifique. Hein. Donc un petit nom un petit peu rigolo, une plaque qui n'a
une plaque française, bon, c'est rigolo, quoi. Il n'y a rien de méchant, quoi. C'est justement des petites touches comme ça qui ça fait que, bon... c'est pas grave du tout, hein. Ben au contraire... Alpha, regardez ça. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. Contact établi avec un groupe d'armes biologiques. J'y vais. Bien reçu. Appareil du BSA repéré. De garde. Je peux m'en charger. Pas de risque inutile. Chef, c'est moi. Je suis en train de préparer le tir d'appui. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Toundra. J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Servez. On a ça. Watch, faut pas mettre ça, frère. Ouais, ça, c'est un corbeau. Oui, c'est un corbeau. Il a été bouffé d'ailleurs. Ah, mais comment je fais moi, pour aller là, moi, là maintenant? Mais Grimpe, bah, t'es con ou t'es con? En même temps, c'est Chris. Faut pas chercher ma nouille.
Oh, je n'ai rien contre lui, hein, mais au contraire. Hein. J'encule qui en premier ? C'est ta grenade là. Ça y est, je prends la cible. La vache, c'est énorme. Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Indiquez-moi l'endroit où vous voulez que je tire. Là, elle tire, mon grand. Et voilà. Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Okay, captain.
ça affronte les armes biologiques. Vous avez raison, capitaine. Ils sont là pour le Megamycète, eux aussi. Ça va pas tarder à s'écrouler. Attendez un peu, je recharge. Et voilà, faites attention, capitaine. Lâchez mal la grappe là contre vous là. Dépêche-toi de recharger ton aussi là! C'est en train de me gonfler ça aussi là! Ça c'est fait. Oh, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. La vérité.
Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker, et... il n'y a aucune trace de modification génétique, contrairement à la série 2. Ce truc est né ici. Là, forcément, là, on en aura d'autres, là. Oh, non. Allez, vite, s'ils veulent de mort. Alors, comme ça, on garde le méga-michette. Bon, j'en ai un malaise, là. Il va me falloir un coup de main. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise ça. Ok, j'arrive. Tenez bon là. Mais tout, tu m'as touché, frère. Allez, recharge le vaisseau là. Je suis juste au-dessus. Ok, je vais t'indiquer la cible. J'avais un seul bon objectif. Oui, bah oui, mais dépêche-toi alors. Recharge vite fait. Là. Ok, capitaine, c'est bon. Ne bouge pas. Ouais, ça a marché. Je continue. Vous autres, restez en surface. Merci pareil. Je l'avais. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Kéké? Merci les gars. Ouais, je parle pas beaucoup, mais je suis tellement concentré. Ouais, la vraie. À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Putain, la connasse. Concentrez-vous sur la mission. Je l'ai trouvé. C'est le Mega Missette. Puh, ça c'est fait. Ah, si je peux finir le jeu ce soir, ça sera nickel. J'ai localisé le Mega Missette. Alors ça y est, on va enfin pouvoir le finir. Et c'est pas trop tôt.
Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Je vais être sûr de la voir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu, ne bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard. Après, en mode village, en disant... Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre... Trop parfum. Ouais. Ce jeu doit faire mal. Ouais. C'est Dark qui l'avait fait en... Oh, quand je l'ai vu faire ce jeu-là, moi de... Oh punaise. Je l'ai plaint. Je me dis, mon Dieu. Comment il avait galéré. Mais il a fini. Hein. Ouais, mais c'est un fou, mais il a fini le jeu. Il a fini le jeu, faut se le dire. Il a fini le jeu, le mec. Il était là, il a fini le jeu au KLM, tu vois. Honnêtement, moi la première, tu vois, quand je commence, en fait, quand je fais un jeu et que je joue pour la première fois un jeu, je joue jamais, en fait, moi, même moi, tu vois, je joue pas en mode le plus difficile proposé. Quand tu commences une toute nouvelle partie sur un nouveau jeu que t'as acheté, je fais jamais le mode le plus difficile. Parce que je sais très bien que si jamais je joue au mode le plus difficile, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Mais en mode sévère. Lui, il l'a fait au KLM, tu sais. Toi, t'es là, ok. Et moi aussi, je l'ai fait. Et même platiné le jeu. Bah après, oui. Mais après, je pense que bon... Il est plutôt court. Enfin, il est plutôt court, oui et non, quoi. Ça doit être le labo de Miranda. Cher Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque. Malheureusement, mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous... se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Bon courage pour le monde mercenaire. Mais moi, je suis pas fan du monde mercenaire. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans cette ville, dans votre village, a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été d'une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûre qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avions eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi, j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection de grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs. Si je vous écris aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir. J'ai en effet découvert la clé de l'évolution. Il s'agit du progénitor, un virus trouvé en Afrique. J'ai inventé
Non, attendez. Ouh, je me suis perdue là. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus. Je compte le baptiser Umbrella, en référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter. Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité et il me tarde de pouvoir vous montrer les fruits. Vous m'avez tant appris et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. Votre apprenti, Oswell E. Spencer. Par contre, est-ce que quelqu'un peut me dire réellement qui est Spencer? Parce que moi, je ne sais pas du tout qui est Spencer. Je vois Spencer partout, je vois dire les gens « Ah oui, c'est Spencer, c'est Spencer, c'est Spencer !» Je sais pas qui c'est Spencer. Ne m'en voulez pas, mais moi j'ai joué que au 4 et au 7 et au 8. Mais j'arrive pas à savoir qui c'est Spencer. Donc si jamais quelqu'un dans le chat peut m'expliquer ou peut me dire en une phrase ou peu de temps qui est Spencer... Je me ferai un malin plaisir de lire vos commentaires pour que je puisse savoir qui est enfin, que je puisse mettre un visage sur un nom que honnêtement je ne sais pas du tout qui c'est. Après, je peux aller voir sur internet aussi, hein, si ça vous embête de me dire qui est Oswell. Oswell is Spencer. Ah, ben, ça, ben, je l'ai sous les yeux. Hein. C'est un vieux. Est-ce que Spencer serait le père de l'autre couillon là? Le serait le père de Wesker? Ce qu'on dirait pas, mais... Lord Spencer. Président d'Umbrella. Ah, Spencer faisait partie du groupe de chercheurs ayant découvert le virus progenitor, ouais, ils viennent de le dire, dans les années 50. Dans les années 60, il créa une société pharmaceutique, Umbrella Corporation, avec Edward Ashford. Oui, Edward Ashford, ça je l'ai vu dans, justement, Resident Evil, les films. Et James Marcus, lui, me dit quelque chose. Même s'il veut plutôt se consacrer à la compagnie, il continue des expériences. C'est lui qui fera fabriquer le manoir dans la forêt de Raccoon. Ça y est, le manoir dans la forêt de Raccoon. Le manoir, c'est le lieu qu'on voit dans le tout premier Resident Evil, le film. Le virus T, ouais. Non, ça y est, je vois à peu près qui c'est. Je vois à peu près qui c'est. Ok. Spencer. C'est sûrement lui. Sûrement dans le village. Et dans RE. Il apparaît dans le tout premier Resident Evil 1. Je l'ai jamais, je l'ai pas fait le E. Justement, je l'ai pas fait le Resident Evil 1. Ça c'est Spencer.
Ça, c'est... l'autre gamine, là. C'est la gamine, ça, non? On dirait la gamine. La fille de Miranda. Ça, c'est Miranda. Je vais jouer un peu à Biomutant pour tester les jeux. Ok, pas de soucis, parrain. Y a pas de soucis. Là, Jérémia. Par contre, le mec en haut, le mec à côté de la femme en noir, il a une tête bizarre, le mec. Donc là, on a Spencer. Sûrement qu'il y a Spencer. Avec la femme. Et sûrement la gamine. Ok. Par contre, celui en noir, j'arrive pas à savoir. Peut-être que c'est Spencer, je sais pas. Je sais pas du tout. Eva, voilà. Eva. Cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi. Putain, bah oui, ça fait un siècle, oui. J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui je vais pouvoir te faire sortir du Megamycète et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembrée, je l'ai ressuscité grâce au calice des géants qui régule le Megamycète. Il ne reste plus qu'à la fusionner au Megamycète. La cérémonie peut enfin commencer. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablée par le chagrin que j'ai erré dans la grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre. Et c'est là que j'ai découvert le Megamycète, complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la conscience, par la connaissance. Le Megamycète décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Lorsque je suis retournée au village, j'ai introduit de la moisissure du Megamycète dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener les expériences à eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes dans le seul but de te trouver une enveloppe parfaite. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai baptisé Cadou. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets, comme Alcina, étaient presque parfaits, mais la plupart se sont transformés en lycans. J'ai ensuite été contactée par une organisation souhaitant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN. Tout ce qu'ils ont parvenu à créer, c'est Evelyn, un autre échec. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai appris quelle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps pour te revoir, Eva. Et oui, parce que du coup, elle s'appelait Eva, mais... grâce à l'ADN et à la moisissure, ils ont créé Evelyn. Donc Evelyn qui n'est pas réellement sa fille. Sa fille, elle s'appelle... si je comprends bien, sa fille, elle s'appelle réellement Eva. Et quand ils ont créé une enveloppe qui correspondait à Eva, ils l'ont appelée Evelyn. Ok, si je comprends bien, en tout cas. Ok. Bien.
Donc ça, c'est Miranda et Eva. À l'époque. C'est-à-dire, il y a un siècle. Ok. Non, mais c'est bien qu'on puisse quand même savoir l'histoire un petit peu du pourquoi, du comment, en fait. Les mains en l'air! Amber Rice, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturée. Pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici! Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi, où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Ah. Suis-moi, t'es pas en sécurité ici. Comment ça, il est parti? Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non! Tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Oui, forcément. Notre cher Ethan. Quand on parle du loup, il est là. Nous sommes dans les limbes. J'ai froid. Comment je suis arrivé ici? Miranda. Je dois encore sauver Rose. Et non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore. Tu vois, Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein?
Il y a 3 ans, Shelly Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Ta gueule ! Qu'est-ce que je suis ? J'ai fait tout ça. Je dois sauver ma fille. Déjà mort. Mort. Je vais sauver. Cette cinématique, je la trouve tellement belle, mais tellement belle. Enfin, il se réveille. Où suis-je ? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Duke. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. Parlons de questions idiotes. Putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refoudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Oui. Pas le choix.
Chris. Pauvre cheval. Naturellement. Hein? Amat Victoria Courage. Oh, l'union entre la vie et la machine. Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg. À cause de toute cette agitation, j'ai perdu un territoire entier où faire mes affaires. Laissez-moi faire. Bon, ça c'est fait. Soyez prudents. Ouais. Mais vous savez quoi ? Miranda, on se la fait demain. Miranda, on va se la faire demain. Et comme ça, on finit le jeu demain. On finit le jeu demain et ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Au moins, elle, on se la... Déjà, Heisenberg, lui, c'est sûr, lui, c'est fini. On n'aura plus affaire à lui. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Même si c'est pour la fin. Honnêtement, même si c'est que uniquement pour la fin. On se le fera demain. On se cale une heure et demie, deux heures sur là-dessus. Et après on verra. Après, je verrai ce que je ferai. Est-ce que je fais le mode horreur sur Evil Within 2? Parce que du coup, j'ai envie de me faire aussi le mode cauchemar sur Evil Within 2. Mais pour le moment, on finit d'abord RE8. Et après, peut-être que je ferai le mode facile. Hors live pour que justement je puisse avoir plus de trucs, plus de trophées, que justement voilà. Après le mode cauchemar sur RE8, je pense le faire aussi, enfin le mode le plus dur. Et du coup on va voir, je vais voir ça. En attendant, là j'ai vu que là il y avait un ami à moi qui était en train de streamer. Donc je prépare le petit raid, si vous voulez participer, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Alors c'est Clem, là je vous envoie chez Clem. Clem, là il fait du paladin. Hop. Et lancer le raid. Voilà, comme ça moi je vous dis à demain pour la suite du RE8. Et sur ce, bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Allez, des bisous.